Bonjour à tous, bienvenue à notre diffusion en direct. On est très heureux de vous accueillir. Je m'appelle Simon Roy-Martel, je suis animateur à Planète Alma 104.5, ce qui donne bien pour moi parce que géographiquement, je n'ai pas eu beaucoup de chemin à faire pour me rendre jusqu'au Collab, la nouvelle institution là, qui est disponible. C'est l'innovation sociale et centre numérique, c'est comme ça qu'on le caractérise au cœur d'Alma. C'est le théâtre aujourd'hui de cette diffusion pour notre événement du jour. On est là pour faire le dévoilement des résultats de l'étude ciblée sur l'écosystème start-up du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le nom de la recherche qui va être disponible dans quelques instants en ligne, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, un écosystème jeune et dynamique. Écoutez, il y a plusieurs partenaires là, qui gravitent autour de cette diffusion-là. On doit saluer les gens de chez Ubisoft, MAIN, le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que le gouvernement du Québec. Merci à nos partenaires universitaires également. Il y a MITAX, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université de Sherbrooke, ainsi que l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je ne serai pas seul pour faire le dévoilement, évidemment, des contenus parce que je les ignore. Je suis là pour poser des questions. Heureusement pour moi, le MAIN nous a prêté sa plus précieuse phalange. C'est donc Joyce McLean qui est avec nous. Bonjour, Joyce. Bonjour, Simon Roy-Martel. Comment tu vas? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien. Bon, hein, on est là pour dévoiler, dans le fond, cette étude-là. Et je suis curieux un peu de retrouver dans le nom des partenaires Ubisoft. Je vois pas en quoi une étude sur les entrepreneurs innovants va les aider à créer le prochain Assassin's Creed. Là. C'est quoi la part d'Ubisoft à l'intérieur de Ubisoft, notre vision? Ubisoft entrepreneurs, déjà, ils ont une antenne à Chicoutimi. Donc, ils sont très impliqués avec l'écosystème de développement régional, économique régional. Donc, ils travaillent avec les entrepreneurs. Donc, c'est un peu de là qu'est partie l'étude. Bon, ensuite, le mouvement des accélérateurs d'innovation et le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, on avait comme objectif commun vraiment d'avoir une meilleure compréhension de quoi ça a l'air, l'écosystème start-up du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a voulu voir qu'est-ce qu'on observait, qu'est-ce qu'on veut faire pour être capable de mieux soutenir les entrepreneurs de la région pour qu'ils viennent en région, pour qu'ils restent en région et qu'ils croissent en région. Pardon. OK. Donc, je comprends qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont à l'écoute. On a également plusieurs personnes qui sont là pour structurer l'aide, accompagner ces entrepreneurs innovants-là. Je vous rappelle que d'ailleurs, si vous avez des questions en tout temps, vous pouvez les écrire en commentaire directement sous la publication. Et puis, on a des ressources qui sont là pour répondre à vos questions en cours de route. Mais tu me parles d'écosystème start-up, là, de que c'est. Absolument. D'abord, juste pour revenir sur les objectifs de cette étude-là, on a voulu vraiment poser les bases d'une réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on observe en région, qu'est-ce qu'on veut surveiller, etc., comment on peut être plus nourricier pour cet écosystème-là. Donc, on parle d'écosystème. Bon, qu'est-ce que c'est un écosystème? Un système de culture commune, de modèles inspirants, de personnes, d'institutions, de gens dont le rôle est de soutenir les entrepreneurs innovants. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par start-up, par entrepreneur innovant? On a l'image un peu toujours de cet entrepreneur-là qui fait de la technologie. C'est pas forcément ça. Donc, on voulait vraiment voir c'est quoi le visage d'entrepreneuriat innovant au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va y revenir dans un moment dans les différents constats et même dans les vidéos qui seront présentées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait vraiment cette étude-là sur deux volets. Donc, on a voulu suivre d'un côté une vingtaine d'entrepreneurs innovants de la région et d'un autre côté, les acteurs dont le rôle est de soutenir. Donc, que ce soit les incubateurs, accélérateurs, les organismes de soutien et développement économique, les universités, collèges et tout ça. Donc, on a fait vraiment une étude sur ces deux volets-là pour comprendre quelle est leur réalité et voir comment on peut arrimer tout ça pour mieux soutenir l'entrepreneur innovant dans la région. Puis globalement, si on regarde justement notre écosystème à nous, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut en tirer rapidement avec l'étude? Oui. C'est un écosystème qui est relativement jeune. C'est probablement pas une observation qui est propre à la région. Cela dit, c'est un écosystème qui est jeune, pas dans le sens où c'est nouveau qu'il y ait de l'entrepreneuriat, il y en a toujours eu, mais quand on parle de notions d'écosystème, donc de ressources qui existent pour les soutenir, de notions de start-up, de notions de croissance, tout ça, c'est relativement jeune. Et puis, on a observé aussi que la taille de l'écosystème favorise le contact entre les gens. Les gens s'appellent, se parlent, j'ai un entrepreneur qui a besoin de ressources, etc. Peux-tu l'aider? Même au niveau des entrepreneurs innovants, ils vont connaître souvent des gens qui peuvent les soutenir ou les mentorer, les coacher. Donc, c'est vraiment un écosystème de proximité. Un truc qu'on a observé aussi qui est important de souligner, c'est qu'au niveau de la main-d'œuvre, il y a un bassin de talent qui est plus limité. Encore une fois, on le sait, c'est quelque chose qui, depuis la pandémie, on entend parler, les pénuries de main-d'œuvre partout. C'est un phénomène qui n'est pas étranger aux startups, mais ce qui est cool avec les startups, c'est qu'elles peuvent, souvent leur marché est international, donc elles peuvent recruter des employés en dehors de la région, même en dehors de la province, voire, tu sais, c'est des choses qui se font généralement bien en ligne.
Donc, les enjeux de recrutement peuvent être palliés de cette façon-là. Okay. On peut engager n'importe où sur la planète, là, finalement. Puis on livre des produits parfois n'importe où sur la planète aussi. Bien, comme on le voit aujourd'hui, c'est bon de se voir des fois, de pouvoir travailler, collaborer ensemble, mais effectivement, là, c'est possible. Après, on s'adresse à des gens qui sont peut-être un peu partout sur la planète de toute façon. Je pense que ça serait intéressant peut-être d'aller observer les observations là, qui sont faites sur cet entrepreneuriat-là. Par un incubateur. On va donc aller prendre le commentaire de Joanne Doucet, qui est coordonnatrice à la suite entrepreneuriale Desjardins. Intéressant dans l'étude, c'est que ça soulève vraiment que l'innovation n'est pas seulement technologique. Puis dans notre région, c'est vraiment très fort. Nous, on le constate, on le voit que l'innovation, oui, ça peut arriver par des produits technologiques, par vraiment comme de la recherche et développement dans des domaines plus pointus, mais c'est vraiment transversal. Ça peut se retrouver dans n'importe quel secteur d'activité, que ça soit dans des services où est-ce qu'on va vraiment trouver un modèle d'affaires innovant, que ça soit vraiment en faisant de la recherche et développement pour créer quelque chose qui n'existe pas à un problème qui existe. Nous, on le constate beaucoup. C'est sûr qu'on est un incubateur multisectoriel, donc on a des gens de toutes sortes de domaines qui sont capables de trouver de l'innovation. Quand on pense que c'est un secteur assez traditionnel, non, on est capable d'innover. On est capable de faire quelque chose qui n'a pas été fait. On est capable de sortir des sentiers battus. Je pense que les entrepreneurs de la région sont reconnus pour être excellents là-dedans. Puis je suis vraiment contente de voir que ça ressortait au sein de l'étude. Aussi, l'entrepreneuriat évolue. C'est plus vrai que les gens vont travailler sur un plan d'affaires pendant des mois, lâcher leur emploi et se lancer vraiment là. Il y en a qui le font encore, mais les modèles émergents qu'on voit d'entrepreneurs, c'est beaucoup de l'entrepreneuriat hybride. Donc, les personnes commencent à avoir une idée, vont valider le problème, font plusieurs allers-retours avec leurs clients potentiels, vont un petit peu tester le marché. Tranquillement, pas vite, des fois, ils sont travailleurs autonomes, ils continuent de prendre des contrats, puis développent autre chose en parallèle, ou encore sont salariés, puis développent autre chose. Puis une fois, souvent, qu'ils se lancent, bien, ils ont déjà un produit minimum viable, ils ont déjà quelques ventes de fait. Donc, c'est vraiment dans ces eaux-là qu'on accompagne les entreprises. Puis c'est pour ça que la période de démarrage, au début, on disait la période de démarrage, c'est la première année. Ah non, finalement, c'est les trois premières années. Maintenant, on dit 5 ans, c'est encore en démarrage parce que justement, la notion même de démarrage d'entreprise évolue selon les pratiques qu'on observe. Fait que c'est super intéressant de voir que dans notre région, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles en pré-démarrage, en démarrage, donc pour toutes ces années-là qui sont pas toujours faciles à passer pour les entrepreneurs. Et c'est aussi soulevé dans les constats que malgré qu'il y a beaucoup de services, les gens sont compétents dans ce qu'ils font. Des fois, les entrepreneurs ne savent pas à quelle porte cogner. Un des constats très intéressants que je voyais, c'était l'idée du guichet unique. Oui, je le sais, les gens vont dire, mais ça fait des années qu'on en parle, ça s'est jamais fait. Mais encore, pourquoi pas? Tu sais, ça reste un besoin. Les entrepreneurs continuent de nous dire que ils cognent une porte. « Oh, attends un peu, c'était pas la bonne. Oh, OK, l'autre. Ah, là, moi, c'est parce que je suis pas en phase là. Je rentre pas dans la petite case là, tout ça. » Moi, je rêve vraiment d'avoir comme un super référencement, des acteurs de l'accompagnement qui se connaissent, qui se comprennent, qui connaissent les limites de leur intervention, qui collaborent vraiment pour le bien de l'entrepreneur, pour dire « Ah oui, OK, toi, tu es à telle phase, tu aurais besoin de ça, ça. Attends, va pas cogner à la porte, on te réfère directement, tu vas avoir une réponse à ton besoin. » Parce que la structure est toute là. Tout ce qui manque, selon moi, c'est vraiment d'avoir vraiment comme la cartographie de tout ça, une vision claire, puis qu'enfin, on soit capable de dire « OK, tu sais, l'entrepreneur est capable de dire « Oui, c'est beau, c'est par là que je rentre, puis si je me trompe de porte, c'est pas grave, je le sais que je vais avoir la porte d'à côté qui va s'ouvrir facilement, simplement. » Mais tu vois, moi, j'écoute Joanne, puis je me dis que l'idée préconçue que j'ai de l'entrepreneur qui décolle un produit dans son garage puis qui va le présenter au dragon, c'est peut-être un petit peu plus varié que ça, là, les entrepreneurs de start-up. Là. Effectivement, l'innovation, ça prend plusieurs formes aussi. On l'a entendu, textile, manufacturier, tout ça. Donc, il existe divers types d'innovation. On peut innover aussi, pas juste sur son produit, mais de la façon dont on fait les choses, sur son modèle d'affaires, sa façon de le distribuer. Donc, ça prend vraiment plusieurs visages et c'est vraiment ce qu'on a observé qui était dominant dans la région. Donc, c'est pas forcément l'entreprise tech, même s'il y en a effectivement. Bien, c'est sûr. Après ça, ce que ça peut causer aussi, ça, c'est que c'est plus difficile d'identifier des projets entrepreneuriaux potentiels. On ne les voit pas venir. D'ailleurs, il y a un terme utilisé dans l'étude qui parle d'entreprises sous-marines, donc des entreprises qui popent de nulle part avec un projet qui est déjà bien ficelé, parce que justement, c'est des gens qui étaient au sein d'une grande entreprise, une PME, puis qui ont travaillé sur quelque chose pendant ce temps-là. Des autodidactes. Absolument. Donc, ça peut rendre plus difficile le fait de les identifier, puis c'est dommage parce qu'il existe des ressources qui sont souvent gratuites pour aider ces gens-là et qui sont là, qui existent donc pour les accompagner.
Après ça, ce qu'on a vu au sein des entrepreneurs qu'on a suivis, c'est qu'il y avait, comme tu dis, il n'y a pas un visage unique, donc c'est des gens de toutes sortes de générations, ouais. de tous les âges qui sont encore aux études, qui sont plus âgés, qui ont déjà ou qui sont au sein d'une grosse une grande entreprise. Donc on a une diversité au sein des parcours, ouais. un peu moins de diversité au sein du niveau culturel, okay. et puis de genre. Mais heureusement, il existe de plus en plus de ressources qui vont venir favoriser l'entrepreneuriat issu des minorités ou de l'entrepreneur féminin. Donc ça, c'est quelque chose de très positif qui est ressorti au sein de l'étude. On a aussi vu qu'il existe plusieurs types de lieux d'accompagnement. Donc, un phénomène qui est relativement nouveau, celui des incubateurs, des accélérateurs, qui vraiment leur rôle est d'accompagner les entrepreneurs innovants. Mais il y a aussi les institutions du savoir qui viennent jouer là-dedans. Donc, l'Université du Québec à Chicoutimi, le Collège d'Allemagne ici, où est-ce qu'on se trouve, les cégeps et tout ça. Puis les organismes de développement économique aussi, là, tous les partenaires justement qui ont été suivis dans le cadre de l'étude. Donc, c'est tous des gens donc qui gravitent dans cet écosystème-là, dont le rôle est de faire en sorte que la start-up elle trouve tout ce dont elle a besoin. Bien, justement, ouais. tu sais, s'il y a tous ces aidants qui sont sur place, on voit qu'il y a une diversité au niveau des parcours. Est-ce qu'il y a des troncs communs, par exemple? Est-ce qu'il y a des points d'ancrage pour les entrepreneurs où, là, justement, ça passe par le même processus? Absolument. D'ailleurs, quand vous allez voir le document de l'étude, on a fait une map à la fin de quoi ça a l'air le parcours d'entrepreneur, on voit qu'il y a quand même un tronc qui est similaire, c'est-à-dire que c'est des gens souvent qui vont avoir une expérience entrepreneuriale, soit au cégep à l'université ou via les parents là, qui sont déjà entrepreneurs eux-mêmes, donc ils vont avoir le goût de l'entrepreneuriat qui va venir comme assez tôt dans le parcours, qui vont aller chercher au sein de leur réseau des collègues, des gens pour investir, des gens pour les accompagner, des coachs, des mentors. Donc, ça va se faire généralement de façon assez informelle. Et c'est des gens qui, et je le spécifie, c'est des gens qui vont frapper un petit bump au moment de croître davantage. Mais ça, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle du Québec aussi. Donc, à partir du moment où l'entreprise, elle est démarrée, elle a un petit peu de vente, c'est plus difficile pour elle de s'accélérer parce qu'elle commence à avoir des besoins qui sont assez pointus. On appelle dans le domaine, on appelle ça la vallée de la mort. Si c'est rassurant. Veut. Absolument. Donc, on a vu dans le profil des entrepreneurs qu'il y avait souvent un petit moment-là où est-ce que c'était un petit peu plus compliqué. J'imagine que c'est probablement dans ce type de moment-là où c'est important d'avoir de l'accompagnement. Absolument, essentiel. Qu'est-ce que ça leur donne, en fait, d'être accompagnés à ce moment-là? Bien, ça leur permet finalement d'être accélérés à ce stade-là critique de leur vie plutôt que de chercher un peu où aller ou quoi faire, etc. Puis ce qu'on a vu aussi dans le profil des entrepreneurs qu'on a suivis, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est des entrepreneurs qui aiment redonner aussi, qui vont généralement, quand ils sont un peu plus matures et tout, ils vont coacher d'autres entreprises, ils vont devenir mentors et tout ça. Ils vont aussi favoriser l'essaimage au sein de leurs entreprises. Donc, ils vont laisser donc des employés également créer leur propre projet? Absolument. C'est des gens qui ont eu cette flexibilité-là quand eux étaient au sein d'autres entreprises, fait qu'ils vont vraiment encourager leurs employés à partir des projets, à être des intrapreneurs aussi au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une belle observation qui a été faite là. Au sein de l'étude. Écoute, je propose qu'on aille voir justement un parcours d'entrepreneur, si tu veux bien, dans sa réalité, dans son milieu. On va aller du côté de Mashteuyats rencontrer le fondateur d'Ilnous Transforme, Daniel Tremblay. L'entreprise Ilnous Transforme à Mashteuyats, ça fait en travailler en moyenne 12 à 15 personnes qui travaillent au sein de l'entreprise au niveau du recyclage, de l'assemblage de palettes neuves, de la fabrication de bois. Puis dans le fond, on achète le casse-tête des entreprises pour le shipping de leurs produits. Dans l'entreprise, on est 100% autochtone. Il y a des gens de la communauté de Mashteuyats en majeure partie qui viennent travailler en entreprise. Il y a des gens qui résident sur réserve. Il y a des gens qui résident hors réserve, Robertval, Saint-Félicien, Saint-Prime, dans les environs. Le fait de pouvoir implanter Ilnous Transforme à Mashteuyats, puis de pouvoir, ça m'a beaucoup rapproché de mes racines autochtones, puis de pouvoir travailler avec des gens qui étaient éloignés du marché du travail au sein de la communauté, pouvoir venir intégrer mon entreprise, puis tous les investissements, tous les avantages au niveau fiscaux que je peux aller chercher avec le développement grâce à la SDEI, des subventions apportées, bien, aide l'entreprise à le projeter plus rapidement dans le futur et à mieux s'implanter au sein de la communauté à Mashteuyats. Puis ensuite de ça, qu'au niveau entrepreneuriat, bien qu'on se parle plus.
On n'est pas là pour se faire concurrence. À l'heure actuelle, en 2021, c'est des partenariats. Tous mes clients, là, c'est des partenaires d'affaires. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Oui, j'ai des concurrents, mais il y a du marché. Il y a de la main-d'œuvre. C'est plus des concurrents. J'ai besoin de eux aussi. Je ne suis pas capable de desservir tout le monde. Puis mon objectif, c'est pas ça, c'est de faire de la place à tout le monde, puis c'est pas de concurrencer sur le prix, c'est de travailler, créer des synergies, puis donner du service, puis faire des prix honnêtes à toutes les entreprises. J'écoute Daniel, je me dis que vraiment, ça vaut la peine d'être accompagné finalement quand on a une start-up. Absolument, c'est ce qui est ressorti de l'étude et ce qui sort de manière générale aussi. Les entrepreneurs ont confiance en les structures qui existent pour les accompagner. Ça leur permet de gagner en crédibilité aussi. Ça leur permet d'avoir plus de visibilité pour les différents autres réseaux qui existent au Québec, en plus de leur donner généralement, souvent, quand on pense aux accélérateurs, incubateurs, un espace de travail où poser son ordinateur ou s'organiser, le premier HQ finalement de l'entreprise, parce qu'ils vont même rencontrer aussi d'autres entrepreneurs avec lesquels ils pourront réseauter. Après ça, d'être accompagné, ça permet de réduire les doutes aussi. C'est des gens qui vont te challenger assez tôt dans ton parcours sur ta manière de faire, ton produit, ta raison d'être, etc. Donc, on dit souvent que les accélérateurs vont accélérer les murs que tu te prends parce que ça va te confronter à des choses que tu aurais peut-être pris beaucoup plus de temps à te confronter tout seul. Et puis, ça réduit les risques aussi. Quand on pense à ceux dont le rôle est d'investir au sein des startups, donc on pense au réseau d'anges investisseurs, au capital de risque, tout ce phénomène-là, de voir que l'entrepreneur est déjà accompagné par une structure d'accompagnement, un accélérateur, incubateur, un organisme. Une couche de confiance supplémentaire. Absolument. C'est une assurance risque là, sur l'investissement de ton dollar. On croirait qu'avec ces structures-là, finalement, l'acrobate qui est en train d'essayer de décoller sa start-up, il y a un beau filet qui est en dessous puis qui est padé, il ne peut rien arriver. Là, c'est quand même assez fantastique. Il y a un excellent filet. Dans les besoins à combler, par contre, il y en a. Okay. Ce qui est le fun qu'on a trouvé dans le cadre de l'étude, c'est que les entrepreneurs et les gens dont le rôle est d'accompagner s'entendent sur où sont les besoins. Donc, déjà, on est aligné sur la vision. Donc, il existe beaucoup de ressources au niveau pré-démarrage. Donc, j'ai une idée, je voudrais me lancer, je t'aide à te lancer, etc. Et puis, c'est normal qu'il existe plus de ressources à ce stade-là parce que c'est là où est-ce qu'il y a un gros bassin. Et puis, les gens, à partir du moment où l'entreprise a grandi, il existe de moins en moins de ressources. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on trouve aussi à l'échelle du Québec et des autres écosystèmes. Ce n'est pas propre à la région. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut recommander? C'est peut-être d'être capable de développer des offres qui sont plus spécialisées aux besoins de la start-up qui est plus mature, donc que ce soit en propriété intellectuelle, en exportation. Si on n'a pas la capacité on ne peut pas se spécialiser dans tout non plus. Donc, de savoir où trouver ces ressources-là, créer des ponts entre les autres réseaux, entre les régions, entre les pays, voire même pour être capable, quand ton entrepreneur a un besoin qui est très niché, de savoir, écoute, je n'ai pas la réponse, mais je sais exactement où la trouver, puis je connais les réseaux. Une gang au Brésil qui sont spécialisés à faire ce genre de choses-là, puis ça tombe bien par l'anglais, on va lui jaser. Parce qu'effectivement, je regarde toutes les ressources qui sont disponibles, je me mets dans la peau d'un entrepreneur. Ouais. Puis je me dis, pour vrai, je ne saurais pas où commencer, à quelle porte frapper en premier. On dirait que ça me semble un peu complexe dans ma tête. Oui, donc c'est un bon point. Donc, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y aurait davantage intérêt à afficher les réseaux qui sont disponibles, les ressources disponibles. Oui. Les entrepreneurs, souvent, ils vont aller cogner une porte. Ah, t'es pas à bonne place. Oh, on va aller ailleurs, etc. Donc, d'être capable de leur dire, hey, voici les types de structures qui peuvent t'accompagner. Voici de quoi ton parcours pourrait avoir l'air dans 3, 5 ans, etc. Pour qu'ils puissent, eux, focusser sur ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire développer leurs produits, travailler sur leur entreprise. Donc, un meilleur affichage de c'est quoi les ressources qui existent, puis on le voit, là, on a des super vidéos dans le cadre de cet événement-là, mais plus de mise en avant d'exemples de réussite, de cas d'entrepreneurs pour montrer que l'entrepreneuriat, c'est vibrant, c'est en ébullition, c'est quelque chose qui est le fun pour inciter les gens à se lancer, inciter les gens à continuer à croître dans leur entreprise. On va justement aller, voir... C'est quoi l'importance? Qu'est-ce que ça peut amener d'être bien accompagné? C'est la cofondatrice et fondatrice de chez Aesop Leadership qui va vous expliquer ça, Claudia Bélanger. Dans le fond, moi, aussitôt que j'ai eu l'idée de me partir en affaires, d'avoir mon entreprise, j'étais étudiante à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et tout de suite, mon réflexe, ça a été d'aller voir l'équipe du CEUCAC pour parler de « OK, là, j'ai une idée, qu'est-ce que je fais avec ça? » Mais en fait, je pensais que juste avoir une idée, c'est d'avoir une entreprise. J'ai fait le saut à travers l'accompagnement de voir « OK, à quel point comme une idée, c'est
c'est pas gros par rapport à tout un processus entrepreneurial. Donc, j'ai bien été accompagnée par le CEUCAC. Après ça, je suis allée voir Promotion Saguenay, Micro-entreprendre. Je suis nouvellement incubée à l'incubateur Desjardins ici à Chicoutimi. Je fais partie du réseau WEM. Je vais vraiment chercher de l'accompagnement, puis ça m'aide à structurer mes idées. Donc, moi, je suis plus seule dans mon entreprise. Donc, le fait d'avoir de l'accompagnement, c'est comme si j'agrandis mon équipe. C'est sûr que là, en ce moment, je suis dans une phase où, avec mon entreprise, j'ai des clients, j'ai mes produits. Donc, j'ai passé le pré-démarrage et le démarrage. Puis, c'est une période qui est un peu plus délicate où j'ai vraiment besoin d'accompagnement plus au niveau stratégique. Puis je crois qu'en ce moment, c'est plus un manque qui sera à combler en région ici, de voir, OK, comment je peux faire pour, sur le plan stratégique, pour accroître mes ventes, peut-être penser à exporter dans un horizon de 3 ans. Qu'est-ce qui me distrait? Qu'est-ce qui est des bons axes? Donc, l'accompagnement en ce moment, c'est plus ça dont j'aurais besoin. Mais l'équipe du Hub m'aide à travers ça en ce moment d'ailleurs. Mais je crois que c'est un besoin pour plusieurs entrepreneurs. Un élément qui était vraiment important pour moi, c'était de faire partie d'un réseau informel, d'avoir de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs avec qui je peux échanger, je peux partager mes bons coups, mes mauvais coups, mes craintes et eux aussi, puis qu'on puisse ensemble évoluer, apprendre. Donc ça, c'est un élément qui était vraiment important. J'ai pensé déménager à Montréal justement pour faire partie d'espaces de coworking, d'incubateurs. Si on remonte à 5 ans, c'était moins présent ici sur le territoire du Saguenay. Mais à la place, on a créé un espace de coworking qui s'appelle le Moulin Assis. Donc, c'est plusieurs entrepreneurs ou des professionnels qui viennent travailler chacun dans nos projets, mais le fait qu'on est dans un même espace, qu'on dîne ensemble, ça fait qu'on peut, d'une certaine façon, s'entraider de manière informelle. Donc, c'est un élément qui ressortait fort dans le rapport, les réseaux de pairs, les réseaux informels d'entraide. Donc, dans mon parcours, moi, ça a été un facteur vraiment déterminant de pouvoir faire partie d'une communauté dynamique où la collaboration, c'est une valeur centrale. Je vous rappelle en tout temps, si vous avez des questions, des commentaires, vous ne gênez pas, vous les laissez sous les commentaires, on est là. Il y a des ressources qui sont disponibles d'ailleurs pour répondre à toutes vos questions sur l'étude. Et depuis le début, ben, Joyce, on s'attarde surtout à la lorgnette de l'entrepreneur. Maintenant, je serais curieux qu'on regarde ce que l'étude nous dit par rapport aux structures d'accompagnement. Absolument. Donc, c'était le deuxième volet de la recherche. Donc, les structures d'accompagnement, comme je disais en début, on en a suivi environ 20, donc qui sont incubateurs, accélérateurs, organismes de développement économique, universités, collèges et tout ça, juste pour mettre au clair qu'il y a vraiment un écosystème là, qui est mobilisé c'est autour nombreux. Des startups. Encore une fois, puis on l'a dit un peu plus tôt, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui sont présentes au niveau pré-démarrage, démarrage. On a noté qu'effectivement, il y avait besoin de développer des offres qui sont un peu plus pointues là, pour répondre aux besoins des entrepreneurs qui s'adressent à ces organismes-là, donc des besoins auxquels ils aimeraient avoir réponse. On a noté aussi le besoin de créer des ponts avec d'autres structures d'accompagnement, notamment pour ce qui est de l'accès au financement. On parlait tout à l'heure des réseaux d'anges investisseurs, de capital de risque et tout ça. Il y a encore un léger disconnect entre ces deux volets-là de l'écosystème. Heureusement, et même au mouvement, on travaille beaucoup là-dessus pour être capable d'amener les connaissances aux entrepreneurs, aux gens dont le rôle est d'accompagner pour qu'ils connaissent ces réseaux-là, qu'ils connaissent qu'est-ce que c'est le capital de risque, l'investissement, etc., pour qu'il y ait finalement quelque chose pour que tout soit réuni pour l'entrepreneur au même endroit, qu'il n'y ait pas besoin d'aller voir d'un côté et de l'autre pour et de l'accompagnement et être financé et qu'on investisse dans son entreprise. Okay. Encore une fois, je l'ai dit quelques reprises, c'est important de mentionner, c'est pas propre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu. C'est global. De façon globale dans l'écosystème québécois. Et puis, ce qui est ressorti beaucoup aussi, c'est qu'on veut mettre de l'avant davantage les façons d'accéder au financement, à l'investissement pour les entrepreneurs. Donc, c'est quoi les modalités, c'est quoi les critères, comment on y accède. Puis, c'est quelque chose que les entrepreneurs ont dit aussi de leur côté. Des fois, le coût est assez élevé d'aller chercher les ressources pour finalement recevoir une petite somme d'argent qui ne va pas nécessairement les aider à croître. Bien, donc, à chaque fois que je rencontre un entrepreneur qui se lance, justement, je me demande, y a-tu mis tous les sous qu'il y avait là-dedans? Puis c'est quoi la part? Est-ce qu'il y a de l'aide? Est-ce qu'il y a de l'assistance? Alors, effectivement, c'est sûr que ce serait un point qui aurait tendance à bénéficier d'être mis en lumière. Je pense que ça pourrait inciter aussi d'autres entrepreneurs peut-être à se lancer. Là. Absolument. Écoute, quand on est arrivé ici, puis j'arrête pas de le dire à tout le monde, vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires, on va y répondre, on a des ressources pour ça. Mais là, j'ai une ressource à côté de moi, puis j'ai une question. Quand on est rentré au collab, je vois que sur les murs, il est marqué « coopétition ».
Au début, j'ai dit, bon, je suis rendu dyslexique, il doit être marqué compétition ou coopération, mais je comprends les deux concepts. Mais là, je comprends que finalement, au sein des entreprises innovantes, il y a ça. La coopétition, c'est quoi ça? Bien, déjà, coopétition, c'est ce qu'on a observé comme étant une dynamique dominante au sein de l'écosystème Saguenay-Lac-Saint-Jean et probablement au sein, si on s'attardait aux autres écosystèmes, probablement qu'on verrait des choses similaires. C'est-à-dire qu'il y a une coexistence entre des dynamiques de collaboration et de compétition. On collabore, oui, mais de façon généralement informelle. Donc, on veut le faire, on a l'intérêt pour le faire, on voit l'intérêt pour les entrepreneurs de travailler entre les réseaux pour les soutenir. Cependant, de par leur nature, de par leur structure, les organismes dont le rôle est de soutenir les entrepreneurs, il en existe une panoplie. Ils ont des fois des missions qui ne sont pas forcément opposées, mais qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est plus difficile de créer des liens formels au bénéfice des entrepreneurs. Donc c'est ce qu'on a vu. Donc, on note vraiment un besoin de davantage mutualiser les ressources là, dans ces organismes-là. Finalement, c'est de cheminer un peu main dans la main dans les chemins qu'on peut partager, puis de garder les zones d'ombre dans les endroits où on est en compétition? Oui, absolument. Puis, t'sais, on voit beaucoup que les organismes dont le rôle est de soutenir collaborent énormément. Ils se connaissent entre eux. Il y a beaucoup, beaucoup. Puis le fait qu'il y ait de la collaboration informelle, ça amène beaucoup de flexibilité. Hey, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, etc. Ça se fait énormément. Cependant, ce qu'on note, c'est que quand on a ce type de collaboration-là, ça fait que ça repose souvent sur les épaules d'une seule personne. C'est-à-dire que moi, Joyce, je travaille au sein d'une organisation, je connais telle ressource dans l'autre organisation, je l'appelle, tout ça. Si je quitte l'organisation, bien, il n'y a pas de lien, qui perdure là, entre nos organismes. Donc, de canaliser ça et de fortifier ça un peu davantage, ce serait vraiment au bénéfice là, des entrepreneurs. Joyce, tu ne le croiras pas? Histoire de parler de compétition, on a une vidéo qui en jase. Le destin voulait que ça arrive comme ça. Alors, on va justement aller voir comment ça fonctionne concrètement, la compétition en entreprise, avec un agent de développement local à la SADC Lac-Saint-Jean-Ouest. J'appelle à la barre Steve Larouche. Donc, un des éléments qui m'a marqué dans l'étude écosystème start-up de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la dynamique prédominante de compétition entre les organisations de support au développement. Étant moi-même agent de développement au sein d'une organisation de développement, la SADC de Lac-Saint-Jean-Ouest, pour ne pas la nommer, je crois qu'ils ont mis le doigt là sur quelque chose d'important, à savoir que toutes les organisations de développement sont pour le développement des entreprises et des entrepreneurs de leur territoire d'intervention. Par ailleurs, toutes ces organisations-là ont une mission particulière à réaliser, ont des produits, des services à rendre, à positionner, ont des résultats à atteindre. Donc, on est à la fois ouvert à la collaboration. Souvent, la concertation est inscrite dans notre mission d'organisation, c'est le cas de mon organisation. Mais par ailleurs, on doit se pousser en avant, mener des initiatives qui vont faire en sorte qu'on atteint les résultats qu'on souhaite atteindre. L'autre élément que je retiens de l'étude, c'est le fait qu'on a beaucoup de collaboration formelle entre les organisations. Puis ça, on le voit plus particulièrement dans les étapes de pré-démarrage et de démarrage des entreprises. C'est quand même les portes d'entrée sont quand même relativement claires, les services accessibles le sont aussi. Mais dès qu'on arrive à des étapes de développement un peu plus axées sur la croissance, sur le développement des entreprises, ça exige des compétences pointues qui parfois font défaut, je ne dis pas toujours, mais parfois font défaut au sein de nos organisations. On est plus ou moins à l'aise parfois d'intervenir, par exemple, dans des projets où il est question de commercialisation d'une innovation, ou par exemple, ce qu'on a vu dans les dernières années, des applications technologiques. Bon, comment est-ce qu'on commercialise ça? C'est pas évident de trouver un expert qui a œuvré dans ces plates-bandes-là. Donc, si on était plus à même de se parler, de structurer un offre où on mobilise les principales compétences dont ont besoin les entrepreneurs, ça serait déjà une bonne chose. Puis c'est ça sur quoi l'étude mettait le doigt aussi comme potentialité là, de développement de l'écosystème. Donc, si on structure davantage notre offre et qu'on la fait connaître, je pense que les entrepreneurs vont davantage en bénéficier. On a un écosystème qui est jeune, mais qui est riche, et on n'exploite pas le plein potentiel de cet écosystème-là. Si on collabore davantage, on manifeste davantage d'ouverture à collaborer, je pense qu'il va y avoir des retombées intéressantes à ce niveau-là. Et c'était bon, ça? Ça, c'était parfait.
On a-tu quoi rajouter? Je pourrais conclure là-dessus. Je vais juste ajouter. Pour conclure, je pense que ce qu'on a vu au sein de l'étude, c'est qu'on a des bases très solides au sein du lac Saint-Jean. L'écosystème est assez fort. Il y a aussi une vague sur laquelle on peut surfer en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une grosse impulsion entrepreneuriale. Les gens ont envie d'entreprendre. Mm-hmm. Les gens font un retour aux sources, ont envie, sont fiers de faire rayonner la région, sont fiers d'entreprendre ici. Une fierté de contribuer, d'appartenir à cet écosystème-là. Donc, je pense que c'est vraiment de bon augure pour l'écosystème. Bien, je le prends, puis les exemples se multiplient autour de moi, justement, de gens de qualité qui sont de retour dans la région. Et justement, j'ai une amie d'ATM qui vient juste de revenir de la région pour passer son temps avec nous et nous jaser de l'écosystème innovant dans le secteur. Merci, Joyce, d'être de retour. On est bien contents. je pense qu'on peut dire aux gens d'emblée, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette étude dont on vient de vous parler, c'est possible d'aller la consulter directement. Disponible là, sur le site du Hub Saglac. Fais un clic, chérie. Donc, hubsaglac.ca, dans la section documents et vidéos, rapports, études, vous pouvez aller lire tout ça. Ça se lit super bien comme un roman. C'est imagé, c'est beau. On a fait un bon travail avec l'écosystème. Donc, très fier de vous présenter ça. Bon, bien, c'était ça notre dévoilement d'aujourd'hui. Bien évidemment, je me dois de remercier encore une fois nos partenaires de l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les SADC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la CIDAL, la Suite entrepreneuriale Desjardins, le Centre entrepreneuriat multiressources promotion Saguenay, l'Incube Desjardins, le Collab du Collège d'Allemand. On a également nos partenaires principaux, MAIN, qui est le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, qui nous a prêté Joyce McLean, qui est avec nous aujourd'hui. On a également le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gouvernement du Québec. Remerciement spécial aux partenaires là, de la diffusion que vous écoutez en ce moment. Le Collab du Collège d'Allemand, entre autres, qui nous a accepté dans ses superbes nouveaux locaux. Fantastique, hein? Il y a une imprimante 3D à côté, j'ai juste hâte d'aller gosser avec ça. Notre réalisateur, Paul-Henri Callens, ainsi que son assistante Naomi. Il faut saluer également la mère de Joyce, qui est à l'écoute de la diffusion Facebook et qui est bien contente que sa fille soit de retour. Qu'est-ce qu'il y a, Cheryl? On a... la suite entrepreneuriale Desjardins également, que j'ai probablement pas vu passer, mais évidemment, vous auriez été... qui sont les partenaires de cette belle diffusion-là. Ben, c'est là que les capsules étaient tournées. Oui, c'est ça. C'est là qu'on a tourné nos belles capsules qu'on vous a présentées au cours de la diffusion. Alors, c'est ça. On vous laisse terminer votre sandwich en paix et retourner au travail. Et merci, Joyce, pour cette belle présentation d'aujourd'hui. Plaisir.